Salut les gars, du coup aujourd'hui on se retourne pour une petite vidéo. Il n'y a toujours pas Etienne, bien sûr, il est toujours blessé. C'est chiant, mais bon. Du coup là, je suis en train de monter à la Luère. De la Luère, on ira sur Malval. Et de Malval, on ira à Iseron parce qu'il faut que j'aille chez ma mamie. Donc on a plutôt un bon gros tour là. Donc voilà, on a bien transpiré parce que là il fait hyper chaud. Il doit être 11h presque. Attendez. Ouais, voilà, il est 11h. Donc bon, on est parti quoi. Alors là, je vais vous montrer une vue, les potes. Regardez-moi cette vue. Et nous, on monte par là-haut là. Je sais plus exactement où c'est, mais c'est par là-haut. Donc voilà, belle petite vue. Regardez-moi cette belle petite vue, les gars. Si c'est pas stylé, ça, putain. Bon bah du coup on continue, on n'est pas encore à Malval, là on y est presque. Voilà, voilà, là on est au château, je sais même plus comment ça s'appelle. Mais il y a un château quoi. Donc bon, c'est parti, on continue. Bon les gars, col de Malval, c'est bon, on y est. Maintenant on va à Iseron. Là-bas il y a le panneau Iseron, 7 km. Voilà, et on va prendre la route parce que je sais pas où il y a les chemins là, donc... Donc voilà, donc on est parti, c'est pair. Les gars, je crois qu'il faut vraiment que je vous montre un truc là, regardez-moi. Regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette vue de dingue là. C'est quand même vraiment stylé hein. Donc là on est entre le col de Malval et Iseron. Et voilà quoi. Mais c'est vraiment beau. Voilà voilà, donc on continue. Arrive à Iseron les gars, je sais pas si vous entendez. On va se prendre les petits escaliers. Bon les gars, on est reparti cette fois pour la descente. Mais on va pas passer exactement par le même chemin. Au début c'est le même chemin et après on change. Donc voilà, ça perd. Là on est au lac d'Iseron. Et donc là, on va jusqu'à... Enfin, pas jusqu'à Malval, mais on va en direction de Malval. Et après, et justement, juste avant, il y a un chemin qui redescend, on prend. Regardez-moi ça, les gars. Encore une vue pée de sa mère. Ça repère. Putain, mais regardez-moi cette vue, les gars, c'est fou. Regardez-moi ça. Comment c'est stylé. Truc de ouf hein. Et là, c'est parti, il reste plus que de la descente les gars. Ça va être un truc de fou, je vous le dis direct. Allez, on repère.
Wow, c'est parti là. Bon bah les gars, je crois que vous me voyez encore, mais ouais, j'ai oh, comment j'ai tordu le truc. Wesh. Oh. J'ai tordu la patte de la GoPro. Bon bah, je crois que vous me voyez encore. Je viens de tomber. Voilà, un peu de sang là, un peu de sang là. Mais sinon tout va bien. J'ai pété l'objectif de la GoPro, il est là. Donc voilà quoi. Je vais essayer de vous découvrir. Wesh. Comment j'ai tordu le machin. Oh. Oh. Je l'ai plié le truc. Putain. Regardez-moi ça. Attendez. Il est plus du tout droit le truc. Ça c'est censé être droit, bah c'est tout tordu. Putain. J'ai tout rayé. Et ben allez, on va repartir. Hein. Je peux plus vous filmer du coup.